Boa tarde a todos. Queria, em meu nome e em nome do meu colega do Conselho de Administração, Miguel Coutinho, dar-vos as boas-vindas à Fundação EDP. A segunda palavra é para situar um pouco a conferência e o convite que foi feito ao Yves Michaud para estar aqui hoje. Como sabem, a Eletra, aqueles que a leem, costuma ter um dossiê em cada edição e nesse dossiê, desde o primeiro número, procuramos construir uma figura que, de alguma maneira, reconheça o tempo que estamos a viver. Temos escolhido alguns temas e assuntos fundamentais, que consideramos fundamentais e que são sinais e sintomas do tempo que estamos a viver, e a arte contemporânea, obviamente, que também é um desses sintomas do tempo que estamos a viver. Olhando para trás, percebemos que esse dossiê entrava em diálogo e se ligava com outros dossiês anteriores, como seja, por exemplo, que dedicámos a outros temas que consideramos também que são fundamentais para a compreensão do nosso tempo, como, por exemplo, o dinheiro, como, por exemplo, a fama, como, por exemplo, o turismo, como, por exemplo, a velocidade e ainda mais outros. Portanto, significa que nestes dossiês que vamos juntando, ainda que a revista não se esgote apenas nos dossiês, os dossiês não ocupam sequer metade da revista, é quase metade, mas depois há muitos outros e diversos temas, mas nesses dossiês estamos a tentar configurar a tal imagem do tempo e da época, procurando ganhar alguma distância crítica, escolhendo pessoas que têm sobre cada um dos temas obras sólidas. Nós costumamos dizer que para a revista não nos interessa apenas a opinião, interessa-nos alguma coisa mais do que a opinião, interessa-nos o conhecimento, interessa-nos até talvez a sabedoria. A opinião esgota-se e justifica-se por ela própria. Neste caso, nós, quando convidamos as pessoas, convidámo-las não porque tenham apenas a opinião sobre um assunto, mas porque têm, muitas vezes, anos de estudo, de aprofundamento dos temas, de reflexão, de debate sobre esses temas. Ora, a arte contemporânea é um tema fundamental, é um tema que está em debate, pelo menos da parte do nosso convidado, dos primeiros livros dele, sobre a questão e até a crise da arte contemporânea é dos anos 90. Ele tem um livro que se chama exatamente A Crise da Arte Contemporânea, que é de 1997, e de alguma maneira é um tema de que Portugal tem estado ausente. Surge pontualmente um debate ou outro, mas não tem atingido em Portugal este debate a relevância e a notoriedade que nós achamos que ele merece. Portanto, isto também é uma maneira, através deste número da Eletra, de lançar o debate e esta conferência, que prolonga o artigo, o ensaio que o Yves Michaud escreveu na revista e, portanto, é uma grande oportunidade de ouvir. Merci por vossa colaboração. Soyez le bienvenu. E passo a palavra ao António Guerreiro, que vai fazer uma sucinta apresentação do nosso conferencista, do nosso convidado. Muito obrigado pela vossa presença. Pois bem, será uma apresentação muito breve, porque evidentemente as pessoas vieram aqui para ouvir o Yves Michaud e não para ouvir outro tipo de outros discursos. E a apresentação do nosso conferencista, que foi de resto diretor da École des Beaux-Arts, da École Nationale des Beaux-Arts de Paris, da Escola Nacional de Belas Artes de Paris, e enfim, e para além de professor e de muitos outros lugares que ocupou, tem vindo desde, enfim, desde o final dos anos 90 e sobretudo desde o início de 2000, ao livro de 2003, chamava-se L'art à l'état gazeux, Essai sur le triomphe de l'esthétique. Aí anunciava-se já um certo tipo de discurso sobre a arte que nós podíamos inscrever dentro de um género que, enfim, não é hoje propriamente, digamos, muito, que parece quase desatualizado, de certa maneira, que é o discurso do diagnóstico. Que diagnóstico é que ele fazia? Fazia um diagnóstico da situação da arte contemporânea. Começou-se aí esse diagnóstico, que depois se prolongou, e veio
ser desenvolvido noutros livros posteriores, como, por exemplo, Narcissa e Ses Avatars, um livro de 2014, e agora, muito recentemente, em setembro, um livro que está, enfim, o título, eu digo polémico, mas suscetível de gerar polémica, que é L'art c'est bien fini, ou seja, a arte acabou mesmo. E como subtítulo, Essai sur l'hyperesthétique et les atmosphères. Portanto, digamos, a isotopia das atmosferas e do ambiente gasoso é aqui desenvolvido, que já vinha desde o livro de 2003, é aqui desenvolvido e, sobretudo, à custa de um conceito muito interessante, que é o conceito, a noção de ZEP. O que são as ZEP? São as zonas estéticas protegidas. Aquilo a que o Yves Michaud chama as zonas estéticas protegidas. Bom, o sítio onde nós estamos é, de facto, uma zona estética protegida, portanto, basta nós apontarmos para este lugar e imediatamente ficamos a perceber o que é, de facto, uma zona estética protegida. Mas uma zona estética protegida, segundo a noção de Yves Michaud, não é apenas um lugar físico, pode ser um lugar meramente virtual, e corresponde a uma espécie de autonomização do mundo da arte, uma autonomização em que a arte se reflete sobre si própria, cria-se uma comunidade de artistas e de espectadores, e a arte tem dificuldade, a partir dessa zona, de se expandir para um exterior, para além dessa zona. Ou seja, as zonas estéticas protegidas, criadas por todo o sistema da arte contemporânea, no fundo, enfim, segundo o diagnóstico de Yves Michaud, tornaram a arte uma atividade virada apenas para a manutenção de si própria e para a reflexão sobre si própria e para a manutenção do seu próprio sistema. Qualquer coisa que funciona num regime de redundância e de reflexividade permanentes. E é precisamente esse regime de redundância e de reflexividade permanentes que o Yves Michaud chama a hiperestética, que será, enfim, mais ou menos, segundo a sua definição, esta exacerbação do estético, de todo o ambiente em que nós vivemos, portanto, uma estetização geral da sociedade e do mundo cotidiano, que faz com que, digamos, não haja propriamente hoje uma separação entre aquilo que é o objeto artístico e esta sensibilidade hiperestética em que nós estamos mergulhados. Sobre os desafios que isso representa para a própria arte, é precisamente sobre isso que o livro de Yves Michaud fala e, digamos, o seu diagnóstico é, por vezes, quase sempre, bastante cruel ou, pelo menos, bastante pessimista, digamos. Nós sabemos muito bem que o tema da morte da arte ou do fim da arte não é um tema recente, é um tema que vem desde o Hegel, mas aqui ele é declinado de outra maneira, não é declinado exatamente segundo os termos hegelianos, muito embora haja um capítulo dedicado também aí à discussão da morte da arte ou da arte como qualquer coisa que pertence ao passado em termos hegelianos, mas aqui, digamos, essa declinação da morte da arte é muito mais, tem em conta, sobretudo, todo um mundo contingente, pragmático, digamos, o regime da nossa vida cotidiana e da sociedade em que vivemos. E, portanto, aí aquilo a que o Yves Michaud chama hiperestética é, no fundo, uma maneira de tornar, enfim, o efeito seria anestesiar-nos em relação precisamente aos efeitos da arte. E com isto eu me detenho e passo a palavra ao professor Yves Michaud. A vous la parole, s'il vous plaît. Obrigado, António. Alors d'abord, bonsoir et tous mes remerciements
FDP et à la revue Electra avec ses responsables qui m'ont introduit. J'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, ça dépend un petit peu de comment je pose ma tête. Je vais essayer de la tenir comme il faut. Bien, pardonnez-moi de m'exprimer en français, mais je souhaite dire des choses un peu précises. Il vaut mieux s'exprimer dans cette langue plutôt que passer à une traduction anglaise qui elle-même serait reçue je ne sais comment. J'essaierai de ne pas... J'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de personnes francophones dans cette assistance, dont je me félicite, et je parlerai un peu lentement, assez lentement si je peux, pour que la traduction puisse être suivie. Alors, je ne vais... Ah oui, je crois que c'est encore mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je ne vais pas... Voilà, dans le numéro 14... Ça va ou ça vient? C'est bizarre. Dans le numéro 14 de la revue, il y a quelques éléments de ma réflexion, mais seulement quelques éléments. Et c'est pour ça que je ne vous parlerai pas des ZEP, des fameuses zones esthétiques protégées, dans lesquelles, à mon sens, aujourd'hui, existe l'art contemporain. Nous sommes dans une de ces zones, et comme l'a dit Antonio, la revue Electra fait partie de ces zones, parce que, comme il l'a dit, ces zones esthétiques ne sont pas seulement physiques. Ce sont aussi les associations d'artistes, ce sont les académies d'art, ce sont les cercles de critiques, ce sont les revues, etc., etc. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, je vous parlerai de deux choses. Premièrement, comme le titre de la conférence l'annonce, de la situation de l'art contemporain, de la profusion et de la désorientation que nous connaissons. Et puis, deuxièmement, je vous parlerai de l'aspect plus philosophique de mon livre, mais ce sera juste une petite introduction assez simple sur, je dirais, concernant le type de sensibilité et le type de rapport à l'expérience que présuppose cette nouvelle situation hyper-esthétique. C'est la partie philosophiquement la plus importante, à mon sens, de mon livre. En même temps, c'est la partie la plus difficile, pas inutilement, pas difficile par envie de montrer capacité d'abstraction, mais parce que réfléchir est toujours un peu difficile. Mais c'est la partie, je dirais, qui soutient ma réflexion sur l'art contemporain, et donc j'ai essayé de faire que cette réflexion ne soit pas simplement l'expression de l'humeur d'un individu. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur réaction d'humeur. J'essaye, pour ma part, de justifier et de fonder mes réflexions dans des réflexions, je dirais, plus profondes et peut-être plus théoriques. Lorsque j'avais le plaisir d'enseigner la philosophie, ce fut toujours pour moi un grand plaisir. Je disais à mes étudiants, à certains moments des cours, je leur disais, nous allons mener une analyse pour constater que, en fait, les choses sont encore plus compliquées qu'elles nous semblaient au départ. Donc, c'était le contraire du cartésianisme, où on décompose les choses complexes en choses simples. Ma propre technique philosophique, qui est une technique de description, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un devin, mais ma propre technique de philosophie consiste à considère que lorsqu'on décrit avec attention et précision, on aboutit toujours à quelque chose de plus compliqué de ce qu'on pensait, de ce dont on pensait partir. Donc, je vais vous faire part de quelques aspects de ma description.
Donc je commencerai en disant que nous vivons une période qui est à la fois inquiétante et passionnante. Je ne veux pas seulement parler du retour de la peste, attendez, je déclenche ma montre, sous la forme de l'épidémie de Covid. Pourtant, elle produit des changements énormes et probablement durables au niveau des déplacements, au niveau du tourisme, qui était jusqu'ici la première industrie mondiale. Mais je veux surtout parler, j'insisterai là-dessus, sur les changements qu'apporte la technique. À mon sens, aujourd'hui, c'est la technique, et depuis longtemps d'ailleurs, qui est motrice de l'essentiel des changements sociaux. Donc, pas le capitalisme, mais la technique telle que se l'approprie le capitalisme ou d'autres formes d'organisation sociale. Je crois que les changements qu'a introduit la technique ont modifié du tout au tout notre monde. Nous sommes à un moment, c'est pour ça que c'est passionnant, nous sommes à un moment de basculement. Je peux même dater parfois, je m'amuse parfois à dater ce moment de basculement. C'est 2005 où apparaissent YouTube, Facebook, Google, etc. C'est le moment où basculent les techniques numériques et avec toutes les conséquences que ça a sur l'ensemble de nos rapports à la vie, non seulement à la vie physique, mais là, j'ai des problèmes qui ne tiennent pas à la manière dont je tiens mon vieux. Je crois que nous avons changé d'époque et ces changements affectent bien sûr la vie économique, financière, la politique, mais aussi les sentiments, nos manières de vivre et évidemment, bien sûr, les arts, et je dirais les arts, tous les arts. Je me concentrerai sur les arts visuels, mais il n'y a pas que les arts visuels, hein. Il y a la musique techno, il y a le manga, il y a le cinéma ou ce qu'il reste du cinéma une fois qu'il est passé par les moyens numériques, il y a la musique sous toutes ses formes, il y a le graffiti, etc. etc. Donc nous avons changé d'époque et j'en attribue la raison principale à ces mouvements, ces innovations techniques considérables. Je n'utilise pas d'image dans ma conférence pour une raison simple, c'est que je vous demande de projeter vous-même les expériences que vous avez pu faire récemment sur ce que je dis. Et je pense que, de toute manière, à ce moment-là, ça vous donnera des images tout à fait parlantes. D'autre part, comme je le dirais en cours de route, aujourd'hui, il y a une tyrannie des images, mais une tyrannie des mauvaises images. C'est des images faites à la va-vite, des images en PDF, des images en basse définition, des images qu'on ne regarde pas, en fait. Des images qu'on ne regarde pas. Et qui aplatissent toute la réalité quand on ne les manipule pas pour les transformer elles-mêmes. Ce qui fait que j'appartiens à une génération maintenant ancienne ou qui pratiquait dans le temps les conférences avec des diapositives. Les historiens de l'art sérieux attachaient une importance considérable à la qualité des diapositives. Je me souviens avoir invité Ernest Gombrich à faire une conférence au musée d'art moderne à Paris, et l'objet de son attention la plus forte, c'était ces diapositives, leur qualité, le bon ordre, parce que nous avions à l'époque, nous avions des instruments de projection très puissants et nous étions obligés de réencadrer les diapositives derrière des protections de verre. Et pour lui, c'était presque un sacrilège et surtout, c'était un grand risque de défigurer ces images. Donc, on est passé d'un monde où il y avait peu d'images, mais où on essayait de les avoir de la meilleure qualité possible, à un monde où il n'y a plus que des images et où elles sont toutes mauvaises et elles ne servent strictement à rien. Je veux dire, j'ai même des jeunes collègues qui font des cours sur Descartes avec des PowerPoint
pour envoyer les citations de Descartes sous forme d'images. Alors, première constatation sur l'art contemporain, c'est une banalité, il s'est mondialisé. C'est-à-dire que les hommes, les matériaux, les idées, les œuvres, et évidemment, comme je viens de dire, les images, circulent, et circulent dans tous les sens et tout le temps. Les États-Unis demeurent de loin la place la plus importante pour l'art contemporain, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une pluralité de marchés pour une pluralité d'art, d'art au pluriel. Pluralité de marchés, vous avez un marché chinois qui est très important, vous avez un marché chinois de la diaspora chinoise qui est très important aussi, vous avez des marchés coréens, vous avez des marchés vietnamiens, vous avez des marchés africains, le marché nigérian aujourd'hui est très actif. Vous avez aussi bien sûr les marchés du Moyen-Orient avec les foires d'art du Moyen-Orient et des pays du Golfe. Et je dirais, il y a même un marché de l'art occidental. Chacun de ces marchés a ses places financières, ses rendez-vous commerciaux. Actuellement, j'en parlais cette semaine encore avec une grande galeriste de Paris. Actuellement, tous les marchands européens sont préoccupés par la foire de Miami qui commence le 4 décembre. C'est le marché de reprise de l'art et c'est le marché où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, hein, considérablement d'argent. En partie parce que ça a à voir aussi avec ce que je dirais tout à l'heure sur l'argent, en partie aussi parce que la Floride est un paradis fiscal. Si la foire de Miami est aussi importante, c'est que la Floride fait partie des deux ou trois États paradis fiscaux américains. Bon, en même temps, il y a toujours beaucoup de marchés locaux, marché belge, marché californien qui est différent du marché américain. Et puis, il y a des marchés de niche, j'appellerais, pour certains types d'art qui ont leurs partisans, leurs amateurs. Par exemple, l'art aborigène australien n'est pas complètement intégré dans l'art contemporain. C'est un marché, ce que j'appelle un marché de niche. Vous avez bien sûr les arts bruts et les arts naïfs qui ont toujours leurs collectionneurs. Vous avez le marché du kitsch. C'est très curieux de voir que dans les quartiers de grandes galeries maintenant viennent se loger des galeries d'art kitsch. L'autre jour, je passais avenue Matignon à Paris. Il y a deux marchés d'art kitsch, de sous-produits kitsch de l'art contemporain, qui voisinent avec les grandes galeries Kamel Menour ou les locaux de Christie's. Le street art, le graffiti, vous avez plein d'art. Alors, en termes de visibilité, et de spéculation, parce que c'est de ça qu'on parle dans les journaux, le marché où se font les grandes performances, c'est effectivement le marché européo-américain qui monopolise l'attention à cause de ces records. Mais il ne faut pas oublier, disons, tout le reste des transactions. Et surtout, une chose très importante, c'est que ces marchés sont en grande partie des marchés opaques. C'est-à-dire que il y a beaucoup de transactions qui sont connues, qui sont répertoriées sur des sites, par exemple comme un site comme artprice.com, mais beaucoup de transactions restent discrètes, cachées et donnent lieu en fait à des opérations de blanchiment ou à des opérations, je dirais, de manipulation. Les spécialistes, il y a deux grandes maisons mondiales de vente aux enchères, comme vous savez, c'est Christie's et Sotheby's. Lorsque Sotheby's a été racheté par le financier Patrick Drahi, il en a fait tout de suite, il l'a retiré du marché, donc il a changé le statut pour que ce ne soit plus une société par action et que ce soit une société personnelle qui ne fournit plus de comptes. Et tous les spécialistes du marché de l'art contemporain
c'est pas seulement moi, si vous voulez, qui fantasme, tous les spécialistes ont dit que désormais, l'opacité du marché de l'art chez Sotheby's était garantie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, si une vente fabuleuse a vraiment été fabuleuse, si les prix ont été ceux qui sont indiqués, on ne sait pas si les œuvres ont été vraiment payées, on ne sait pas si c'est une opération de flipping, par exemple, pour faire monter une cote et puis rapidement revendre, etc., etc. Le marché de l'art est aujourd'hui en grande partie opaque. Et pour les gens qui sont mieux au courant que moi, beaucoup disent que c'est aussi à mettre en relation avec les crypto-monnaies et avec, finalement, je veux dire, tous les circuits financiers opaques et au bord de la fraude. Il y a aussi dans l'art contemporain, compte tenu de ce développement exceptionnel, il y a aussi maintenant beaucoup de faux. Il faut le dire, les choses comme elles sont, il y a énormément de faux. Il y a beaucoup plus de faux Basquiat que de vrais Basquiat qui circulent actuellement. Et d'une certaine manière, je veux dire, c'est pas parce que tout le monde en ferait autant, mais c'est parce que les faussaires sont extrêmement habiles et que c'est extrêmement intéressant d'être un faussaire avec la complaisance de certains critiques d'art qui vont valider l'authenticité, ou avec la complicité des veuves, des veuves et des veufs qui ont intérêt et qui tiennent en fait les clés des déclarations d'authenticité. Voilà. Donc ça, c'était la première remarque sur cette mondialisation. Alors évidemment, notre information et nos connaissances progressent considérablement, mais aussi, je dirais, les malentendus, les rumeurs, la fraude. Il y a un déluge de production d'événements et d'informations. Bon, les déplacements se sont un peu réduits, mais la communication visuelle les a remplacés. Et je dirais, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans le monde de l'art contemporain, je dirais, toutes les sortes de productions se côtoient. Quand vous regardez les programmations, par exemple, des musées et des centres d'art, vous voyez se succéder un artiste très connu, un designer considéré comme important, des directeurs artistiques de maisons de couture, des artistes des pays du Sud. Actuellement, il n'y a pas une galerie parisienne qui n'a pas ses artistes africains. Hein, ça a littéralement explosé. Et bien sûr aussi de l'art engagé, des militants LGBT, etc. La conséquence au niveau des critères artistiques, c'est que finalement tout se vaut, hein, excepté financièrement. Tout se vaut parce que, les critères esthétiques, proprement esthétiques, ont disparu et ils sont remplacés par les prix des œuvres et la cote des artistes. Alors jusqu'au milieu des années 1990, puisque le basculement dans le monde de l'art contemporain me semble venir après le postmodernisme, si vous voulez, les critères esthétiques occidentaux continuaient à dominer, y compris aux dépens des critères locaux, et on continuait à envisager les productions africaines, indiennes ou asiatiques du point de vue, je dirais, des critères de l'art occidental. L'exposition en 1984 au MoMA sur le primitivisme, c'était le primitivisme comme source d'inspiration de l'art moderne. Et même l'exposition très novatrice, les magiciens de la Terre à Paris en 1989, qui pour la première fois exposait côte à côte les artistes de tous les pays et de tous les types de pratiques, je dirais,
eh bien, encore cette exposition, bien qu'elle fût très novatrice, elle reposait sur, je dirais, un critère occidental consacré, c'est l'artiste comme créateur et l'artiste comme magicien. En fait, il y a aujourd'hui ce que j'appelle une dédifférenciation des genres artistiques, et puis, et donc du coup, forcément, inévitablement, coexistent des critères esthétiques venant de traditions artistiques différentes. Coexistent dans les galeries un paysage chinois, un visage de manga japonais, un graffiti urbain, une abstraction géométrique, une peinture expressionniste et un monochrome. Je dis qu'aujourd'hui, il existe un pluralisme indifférentiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger des productions venant de cultures aussi différentes. C'est ce que j'appelle aussi désorientation. Et cette désorientation, elle ne nous scandalise pas, mais je dirais qu'elle suscite de plus en plus d'indifférence. Et au fond, on réduit les critères esthétiques à celui de « c'est intéressant hein, ». Ça nous fait quelque chose, c'est intéressant, ça nous accroche, pas plus. Alors, il ne faut pas sous-estimer, dans cette développement du pluralisme indifférentiste, le rôle de la diffusion, comme je l'ai dit, des œuvres sous forme d'images de très faible qualité. Je suis toujours très étonné, mais maintenant je m'y résigne, de voir que les grands galeristes ne vont quasiment plus jamais voir des artistes dans leur atelier, encore moins des jeunes artistes, surtout pas des jeunes artistes. Ils demandent à leurs conseillers de trier pour eux en fonction de ce qui est intéressant, de trier les dossiers visuels qui sont envoyés en PDF par les artistes. Et parce qu'il faut accélérer le téléchargement, aller toujours plus vite, et on choisit finalement, comme je vous l'ai dit, sur la base d'images qui sont des images extrêmement simplistes, extrêmement pauvres. Les œuvres existent de plus en plus sous des formes d'images hors contexte, sans signification, sans marque temporelle. La seule chose qu'on attend, c'est que ça accroche l'œil. Alors évidemment, c'est l'avantage de ce pluralisme indifférentiste, c'est qu'il relativise le concept d'art occidental, et ça a été souvent au début célébré comme un progrès, mais en fait je pense que dans ce mouvement, c'est le concept d'art tout court qui se dissout, c'est-à-dire que tout est de l'art ou tout peut le devenir pourvu que ce soit reconnu dans un circuit de référence par les experts de référence, c'est-à-dire les curateurs, les marchands, les commissaires priseurs, les collectionneurs. Et là, il y a un effet de cercle, hein, c'est-à-dire que le galeriste, je dirais, attire le collectionneur qui lui-même valorise le choix du galeriste. Et si en plus le collectionneur, comme c'est souvent le cas, a des intérêts dans une firme de vente aux enchères, la boucle se boucle. C'est-à-dire le collectionneur achète des choses qui ensuite vont passer dans le circuit des enchères. Du coup, ça va rendre l'artiste intéressant. Du coup, les galeristes vont s'y intéresser. Du coup, d'autres collectionneurs vont s'y intéresser. Et la boucle est bouclée et les choses se... les choses marchent en quelque sorte toutes seules et automatiquement. Alors, ce qui remplace les valeurs de goût, de beauté, d'innovation... je précise que je ne suis pas nostalgique, hein, je constate seulement. C'est le fait que quelque chose nous accroche, que quelque chose ait de la valeur et que quelque chose aussi ait, une valeur morale, corresponde à la correction morale et politique. Alors, je dis donc dans mon livre que les valeurs de l'art contemporain, et je souligne que ce sont vraiment des valeurs esthétiques, ce sont la valeur financière,
la valeur d'entertainment, art-entainment, hein, le fait que ça soit fun et que ça fasse, que ça intéresse les gens et ça les excite, et puis la valeur morale, c'est-à-dire le fait que ce soit bien pensant. Alors la valeur financière, bien écoutez, je veux dire, elle est très simple à voir. Ce qu'on attend d'un artiste, c'est que ça puisse se vendre, et que ça puisse se vendre, je dirais, à des niveaux de prix qui sont des niveaux significatifs. Je dis dans une note de mon livre, et disons tous les spécialistes qui les ont vus sont d'accord, qu'il y a aujourd'hui trois niveaux du marché de l'art. Vous avez un premier niveau qui est les artistes vedettes, ce que j'appelle les Top Guns, hein, que ça soit Damien Hirst, Jeff Koons, même Ai Weiwei qui est là en fait partie, les Top Guns qui atteignent des cotes extrêmement élevées et qui en général font cette cote et maintiennent cette cote au niveau des ventes aux enchères, y compris avec les trucages dont je vous ai parlé. Par exemple, je veux dire, le cours des œuvres de Jeff Koons est continuellement, non pas manipulé, mais continuellement maintenu à travers des opérations financières, des opérations de promotion, des opérations de publicité, parce que ce sont des œuvres qui sont chères à fabriquer et que, d'une certaine manière, il faut à tout prix que le prix ne baisse pas. Alors, je veux dire, ça c'est un premier niveau. Vous avez un second niveau qui est celui auquel nous étions habitués. C'était le niveau des artistes reconnus qui valent déjà cher, mais qui n'ont pas des valeurs astronomiques. Et ces artistes reconnus aujourd'hui sont dans une situation très difficile parce qu'ils sont pas assez chers par rapport aux artistes des Top Guns. Et ils sont quand même trop chers pour les collectionneurs. Les collectionneurs qui, j'entendrai dire quelques mots, sont de plus en plus riches. Donc, je veux dire, des artistes reconnus, établis, ont aujourd'hui beaucoup de mal parce que on ne va pas exposer un artiste alors qu'un artiste dont l'exposition rapportera, disons, 100 000 euros pour la galerie, alors que la galerie peut faire des opérations beaucoup plus brillantes avec un Top Gun. Je vous donne un exemple, et en plus à propos d'un très bon artiste, d'un homme que j'admire beaucoup. Il y a eu l'an dernier, à la fin de 2020, oui c'est ça, à la fin de 2020, il y a eu une exposition à Paris de David Hockney, et de sa production de paysages, parce qu'il s'est installé récemment en Normandie, vers Bayeux, et qu'il a peint des paysages normands au printemps. Il y avait, en quelque sorte, il y avait 14 tableaux. 14 tableaux dont les plus grands faisaient comme ça, et les plus petits étaient un peu plus petits. 14 tableaux. C'était des tableaux merveilleux, et vraiment d'une grande beauté. Je visite l'exposition et je suis très très ému et touché, et puis je connais le directeur de la galerie et je lui dis, mais où est la liste de prix, la price list, où est la liste de prix? Il me dit, il n'y en a pas parce que j'ai tout vendu, et j'ai tout vendu en 48 heures sans faire aucune négociation. J'ai vendu donc au prix où on les avait mis avec David Hockney. Alors j'ai dit au galeriste, et c'était quoi le prix? Bon, quand je vous parle de Top Gun, vous allez comprendre. C'est-à-dire que les grands tableaux étaient à 8 millions d'euros et les petits, un peu plus petits, étaient à 5 millions d'euros. Voilà. Et beaucoup des achats s'étaient faits par téléphone. Les gens n'étaient pas venus voir. Voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que le marché Top Guns. Alors évidemment, Jean Frémont, le directeur de la revue, qui est un poète au départ, me disait, on a fait une très bonne année.
on a fait une très très bonne année. Mais effectivement, il aura du mal maintenant à exposer un jeune artiste dont il vendra les tableaux 10 000 ou 20 000 euros. Il n'y pensera pas. Hein, même. Voilà, vous avez une idée. Et donc vous avez un marché intermédiaire qui est aujourd'hui gravement affecté, avec de bons artistes qui n'arrivent plus à vendre. Et puis, ensuite, vous avez le troisième marché. Alors là, je dirais qu'il y a le marché des vrais amateurs, les gens qui achètent des choses parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont un coup de foudre, parce qu'ils veulent décorer leur mur, parce qu'ils veulent faire un cadeau, etc., etc., parce qu'un peintre en particulier leur plaît. Hein. Je connais des peintres qui vivent avec huit collectionneurs, hein, je veux dire, qui les ont soutenus presque toute leur vie, comme des amis en quelque sorte. Voilà l'état de ce marché. Et donc, je dirais que le critère aujourd'hui qui commande le marché de l'art contemporain et qui pèse très très lourd, c'est le critère de la valeur financière. Et l'expression, je ne sais pas, c'est est-ce qu'un artiste est bankable ou pas, hein ? Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec lui ? Alors, vous avez un artiste qui est éminemment bankable et qui n'est pas récent, c'est Picasso. Parce que quoi qu'on vende de Picasso, ça vaut cher. Quand on fait une exposition, ça fait venir du monde. C'est pour ça qu'on fait des expositions de Picasso sur n'importe quoi. Hein. Picasso et l'Afrique, Picasso et la Chine, Picasso et la mode, Picasso et le sexe, etc. Ça fait venir des gens. Et puis, de toute manière, en plus, le nom Picasso lui-même est bancable, puisqu'on l'achète pour mettre sur des voitures. Il y a un contrat avec la famille Picasso pour vendre la signature Picasso sur les voitures Renault. C'est Renault, je ne suis pas sûr. Et puis Citroën Picasso. Et puis je veux dire, on vend des parfums Picasso, la famille Picasso, c'est une super grande entreprise. Donc, je dirais que les valeurs artistiques, la première valeur artistique aujourd'hui, c'est combien ça vaut. Hein, je veux dire, et je m'en indigne pas, mais je dis, il faut vraiment le mesurer. Hein, je veux dire, le peser, le mesurer. Alors, deuxième valeur, le divertissement. Le divertissement, c'est ce que j'appelle l'art-entainment. Il faut que l'art fasse venir du monde, que ça soit excitant, qu'il y ait de l'événementiel, qu'il y ait de la mondanité aussi, petite ou grande, et il faut que l'art... Alors, de ce côté-là, je dirais que je vais vous indiquer une chose que vous voyez vous-même très bien, c'est l'association systématique de l'art aujourd'hui avec le commerce du luxe. Les fondations de luxe investissent dans l'art, hein, fondation Prada, fondation LVMH par exemple. Il y a actuellement une publicité LVMH à Paris où on voit un très beau modèle avec, je crois que c'est Léa Seydoux d'ailleurs, un très beau modèle avec un sac Louis Vuitton, mais sur le fond d'un tableau de Richter. Je veux dire, c'est... Et pour vendre du LVMH, il faut faire. Il y a une publicité Tiffany avec Basquiat aussi. On associe systématiquement, je dirais, Cartier, Kering, Gucci, toutes les maisons de luxe aujourd'hui s'associent à l'art contemporain. L'art donne du glamour au luxe, à la mode, et en retour, la puissance de l'entreprise donne de l'éclat et de la valeur à l'art. Et puis, l'art permet de faire des événements avec des choses excitantes, les grandes expositions, les grands vernissages, les foires, les biennales, les rencontres. Alors, de ce côté-là, si, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir. Le film de Ruben Östlund, The Square, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2017, montrait de manière aussi drôle qu'inquiétante la continuité aujourd'hui entre événements artistiques, provocation et mondanité. Hein, c'est le même monde, événements artistiques, provocation, mondanité.
Hein, il faut du fun, il faut de la publicité, etc. Et puis, troisième valeur, nouvelle valeur esthétique, eh bien, je reconnais là la correction morale et politique. C'est-à-dire que les engagements de l'art et des artistes ont profondément changé par rapport au temps où les artistes étaient engagés politiquement. Hein, où ils étaient à gauche, où ils étaient communistes, où ils étaient réactionnaires comme Salvador Dali quand il était devenu franquiste, etc. L'artiste était engagé politiquement. Aujourd'hui, c'est un engagement, je dirais, plus tout à fait différent au nom du féminisme, des orientations sexuelles autres, de la réflexion post-coloniale ou décoloniale, de l'humanitarisme, hein, les ONG, et bien sûr de l'écologie sous toutes ses formes, depuis les formes simples, sauvons la planète, jusqu'aux formes radicales, l'antispécisme, la décroissance radicale, etc. Et je dirais cet engagement... Moi, je suis sidéré de voir à quel point, dans les foires, dans les centres d'art, dans les galeries, ça dégouline de moralité, ça dégouline de bons sentiments. Et de ce côté-là, justement, il n'y a pratiquement plus aucune provocation, hein, je veux dire, etc. Alors, pardon, excusez-moi. Ma position est un peu mal commode, donc voilà. Alors, je dirais que les œuvres, mais comme il n'y a pas de critères esthétiques, ça n'a pas beaucoup d'importance, elles sont assez banales en général, parce que c'est des œuvres assez sulpiciennes, hein, finalement. C'est quand même assez des bondieuseries. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est de voir que certains artistes moraux, aujourd'hui, ne reculent pas devant les comportements qu'ils dénoncent. Parce que, par exemple, ils dénoncent l'exploitation des personnes en difficulté, mais ils utilisent ces personnes en difficulté dans leurs œuvres. Par exemple, Serrano, les grandes cibachromes de Serrano, d'Andrés Serrano, montrant soit des SDF, soit des cadavres à la morgue. Elles utilisent les moyens qu'ils dénoncent. Il y a certains artistes qui utilisent des travailleurs pour la production d'œuvres. Quand Santiago Sierra utilise des pauvres qu'il paye pour faire des tatouages sur leur dos, etc., etc. Il y a les violences envers les animaux pour dénoncer les violences contre les animaux, par exemple chez Adèle Abdesmed, etc. Bon, et je dirais que avec ces trois valeurs, et encore une fois, je vous dis, je ne donne pas de leçons, j'essaye de constater ce qui se passe. Je dirais qu'avec ces trois valeurs, mais il s'installe une sorte de désorientation un peu résignée, y compris chez certains partisans de l'art contemporain. Il y a un livre assez intéressant qui est paru en France d'un jeune philosophe qui maintenant est passé à l'écologie hyperactive, Morisot, qui analyse pourquoi l'art contemporain ne nous fait rien. Pourquoi finalement on va voir dans ces expositions et ça ne nous touche pas, ça ne nous fait pas grand-chose, ou ça nous fait un petit quelque chose, mais enfin en tout cas ça ne nous bouleverse pas, ça ne nous confond pas d'admiration, etc. Alors après des analyses longues et un peu sophistiquées, il en conclut que c'est une manière pour l'art contemporain de ne pas se faire récupérer par le capitalisme esthétique. Moi, je veux bien, hein, je veux dire, ce type de réponse n'engage pas à grand-chose. Mais s'il faut qu'une œuvre soit tout à fait indifférente pour qu'elle échappe au capitalisme, je veux dire, je ne sais pas si c'est pas le pavé de l'ours. Hein. Et donc, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, c'est qu'il y a un sentiment d'impuissance fataliste face à l'art contemporain. C'est de l'art parce que ça existe dans les zones esthétiques protégées, dans les fameuses ZEP dont je parle dans le Réunion, mais
je veux dire, au fond, ben, ça fait partie de notre monde. Et alors, c'est là que j'en viens à la deuxième partie, rassurez-vous, je serai pas trop long, hein, c'est que ça fait partie de notre monde, mais notre monde, en même temps, il a profondément changé en termes d'expérience, de sensibilité et de vécu. Et c'est là où je quitte le monde de l'art contemporain pour vous parler de ces changements de sensibilité. Ce changement de sensibilité, je le qualifie d'avènement d'une sorte d'hyper-esthétique et de dictature des ambiances. Alors, pour ce qui est de l'hyper-esthétique, de l'esthétisation du monde, si vous voulez, là, je vais aller vite parce que c'est des choses que tout le monde connaît au quotidien. Bien sûr, aujourd'hui, il y a la dictature de l'esthétisation des corps et de l'esthétisation des visages, la cosmétique, l'empire de la cosmétique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça doit être pareil au Portugal qu'en France ou en Espagne, par exemple, les supermarchés ont placé les rayons de cosmétique à l'entrée. On commence par la cosmétique. Et après, on peut acheter des légumes et des pâtes et du riz. Hein, mais c'est très curieux de voir. Il y a quelques années, bon, ça s'est arrêté probablement parce que le programme était réalisé. Il y avait dans les aéroports une chaîne de magasins qui appartenait au groupe Lagardère et qui s'appelait Beauty Unlimited. C'était des magasins de cosmétiques. Bon, il y a la cosmétique, mais il y a aussi la plastique. La chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, mais aussi les tatouages, mais aussi les piercings, mais aussi tout ce qui est plastique et modification des corps. Bon, ensuite, vous avez la décoration, et la décoration sous toutes ses formes. Bien sûr, la mode, les vêtements, les accessoires de moyenne et de haute couture, avec de plus en plus de tendance à la luxurisation des produits de consommation courante. Je donne un exemple, c'est que pour les gens de l'industrie du luxe, j'ai écrit un livre sur le luxe il y a quelques années, en préparation de celui-ci. Pour les gens de l'industrie du luxe, il y a 10 ans, Michael Kors, c'était vraiment de la drouille, pardon, excusez-moi l'expression française, c'était vraiment de l'objet commercial vulgaire. Et maintenant, vous avez vu que vous avez des grands magasins de luxe dans les avenues des beaux quartiers, Michael Kors. C'est ce que j'appelle la luxurisation de la consommation courante, de la même manière que vous pouvez vous acheter une paire de Nike à quasiment 200 euros quand elle aura été superbement luxurisée, en quelque sorte. Donc, il y a la décoration sous toutes ses formes. Il y a aussi l'architecture et je dirais surtout le design. Je crois que ce qui remplace de plus en plus l'art avec un grand A, c'est le design. C'est-à-dire que non seulement le design classique, l'ameublement, les objets de la vie courante, les ordinateurs, les téléphones, les appareils ménagers, mais voyez l'influence du design pour l'hôtellerie, qu'on rénove en montant en gamme chaque fois qu'on peut, les boutiques, hein, le design de centres commerciaux ou le design de boutiques, les bureaux, le design de bureaux, les lieux publics, le mobilier urbain, la décoration urbaine, et puis, je dirais, des domaines où on n'avait pas l'habitude de penser en termes de design. J'appelle, par exemple, la haute couture culinaire, la pâtisserie, qui est aujourd'hui un domaine de design, le design paysager et environnemental, le design de produits et des emballages de produits, je veux dire, le design des uniformes, la signalétique urbaine, et puis d'autres domaines qui sont en grand développement, le design sonore des espaces, à l'école aux ateliers, comme à l'école des arts décoratifs, les sections de design sonore se multiplient. C'est comment designer notre environnement sonore, par exemple dans les métros, dans les trains, le design sonore du bruit des portières de voiture, le design sonore des annonces dans les gares, etc.
design, la signalétique urbaine, design sonore, le design lumineux. Bon, j'ai parcouru à peine Lisbonne, mais j'ai vu qu'on était en plein moment de design lumineux. Et puis, j'ajouterais le design olfactif aussi. Design olfactif des espaces publics ou semi-publics. Le métro français, il y a longtemps que je ne suis pas allé à Londres, donc je ne peux pas en parler pour Londres, mais le métro français sentait mauvais, sentait méphitique, sentait les sous-sols. Hein. Et bien maintenant, le métro français sent bon. Hein. Et il sent bon parce qu'il y a des vaporisations continuelles de produits dans certains, dans beaucoup de stations, pas toutes, mais il y a un design olfactif des situations. Donc, dans cette esthétisation, donc il y a cette place fondamentale du design. Le tourisme me semble relever de cette esthétisation aussi, hein, parce que c'est aujourd'hui l'esthétique qui, comme attracteur, structure les espaces. Regardez les publicités, les guides, les catalogues de voyage, les dépliants du tourisme. Enfin, il n'y en a plus maintenant, les flyers sont numériques. C'est l'esthétique qui transforme Bilbao. Hein, je veux dire, c'est l'esthétique qui transforme Bilbao et qui transformera d'autres lieux. Et puis, correspondant à cette vogue considérable du politiquement correct, eh bien, il y a aussi l'esthétisation des sentiments, hein, l'esthétisation des émotions, c'est-à-dire l'empire aujourd'hui de la beauté morale, l'interdiction du cynisme, de l'égoïsme, de la malhonnêteté ouverte, de l'interdiction de laisser passer quoi que ce soit qui puisse ressembler à de la malignité. Hein. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde doit être gentil. Hein, tout le monde doit être gentil, même les assassins. Les commerçants vendent des produits qui sont plus bio que bio et qui sont de toute manière équitables. Les jeunes cadres du futur font une année dans le humanitaire. Hein, et quand vous les interrogez, ils vous répondent très naïvement parce que c'est très bien dans le curriculum vitae d'avoir une expérience dans l'humanitaire. Hein, il faut commencer par l'humanitaire. Si ensuite on veut pouvoir... je dirais, voler tranquillement tous les usagers. Il faut commencer dans l'humanitaire. L'expérience, je dirais, bon, je vais trop vite et c'est caricatural, j'ai essayé d'être un peu plus subtil dans mon livre, mais en fait, il faut qu'aujourd'hui, l'expérience soit douce, lisse, heureuse, que tout soit, que rien ne soit sordide ou pestilentiel, que même la douleur et la détresse se fassent discrètes, que la mort soit bien emballée et bien cachée, etc. On est dans une esthétique du bien, du beau, du compassionnel. Voilà. Alors, j'ai analysé, disons, ces deux évolutions, celle de l'art contemporain d'un côté et puis celle de la sensibilité, dans les deux ouvrages en fait, qui remontent, et M. Guerriero en a parlé. L'art à l'état gazeux, c'était le premier moment de ma réflexion, c'était sur l'art contemporain, c'était la première approche de l'art contemporain, c'était il y a longtemps, hein, c'était 2003, c'était il y a presque 20 ans. Hein. Et sur le moment, d'ailleurs, mon livre n'a eu quasiment aucun écho. Quasiment aucun écho. Les gens trouvent objet littéraire non identifiable. Et puis ensuite, je veux dire, c'est devenu le gazeux. On m'appelle souvent le gazeux, même. Je veux dire, bien que je ne sois pas trop gazeux, hein, c'est le gazeux parce que c'est devenu vraiment une expression très courante, je veux dire, que j'ai lancée dans. C'est un peu l'équivalent du liquide de Zygmunt Bauman, qui d'ailleurs a beaucoup cité dans ses derniers livres l'art à l'état gazeux. Et nous nous étions retrouvés sans nous être entendus. Et puis ensuite, mais je me suis surtout intéressé quels sont les soubassements de cette nouvelle existence, de ce nouveau statut de l'art, en termes de sensibilité et en termes d'expérience. Alors, est-ce qui nous mène à cet état que j'appelle hyper-esthétique ? Bon, alors, je ne vais pas résumer ces réflexions, mais simplement indiquer deux directions de réflexion que j'ai abordées et que je vous soumets
parmi d'autres, hein, y en a d'autres. Je me suis beaucoup intéressé dans le dernier livre aux opérations qui produisent l'esthétisation, aux opérations qui produisent l'hyperesthétique. Parce qu'en fait, l'esthétique aujourd'hui, elle est produite par des producteurs, par des ingénieurs, par ceux que j'appelle, en reprenant un mot de Flaubert, les esthétiqueurs. Hein, les esthétiqueurs. Les esthétiqueurs, c'est les designers, les metteurs en scène, les communicants politiques, les publicitaires. Voilà les esthétiseurs. Hein. Regardez l'importance, je sais que vous êtes en pleine campagne électorale, mais regardez l'importance de la production de l'homme, de l'image de l'homme politique. Hein. Il faut l'esthétiser. On l'esthétise déjà sur les images, hein. Et puis on l'esthétise dans les articles en montrant que c'est quelqu'un de vraiment bien, qu'il est bien conseillé, qu'il a fait de bonnes études, qu'il n'a jamais fraudé le fisc, enfin, des choses comme ça. Hein. On construit une belle image, même si la réalité est complètement différente. mais ça relève de ce qu'on appelle de la protection de la vie privée. Donc, je me suis beaucoup intéressé, et je pense que c'est une direction qu'on peut encore explorer plus, c'est le travail des esthétiqueurs. Il y a aujourd'hui une ingénierie de l'esthétique. Et elle vaut même pour l'art, hein. Les Top Guns dont j'ai parlé, c'est pas le cas de David Hockney, mais pour des gens comme Koons ou pour Hirst, ils ont des dizaines, des cinquantaines d'assistants, hein. C'est de l'ingénierie. Ça existait déjà dans les ateliers du Moyen-Âge, mais pas sous cette forme, je dirais, la rationalité de production et la standardisation de la production, hein, chez ces esthétiqueurs, une ingénierie de l'esthétique. Et puis, la deuxième direction que j'ai essayée et que je considère qu'il faut examiner, c'est la question du type de sensibilité qui accompagne l'hyperesthétique et l'esthétisation du monde. Qu'est-ce qui a changé dans nos vécus, en quelque sorte, et dans nos manières de vivre nos vécus et de les parler, hein, je veux dire, pour l'historien des idées, ce n'est pas une question nouvelle, hein. Comment se fait-il qu'on passe d'un XVIIe siècle qui est austère, rationaliste, hyper religieux, à un XVIIIe siècle qui est plus qui est éclairé, qui aime le luxe et le confort, qui aime la décoration, hein, le rococo, etc., et puis qui va ensuite s'acheminer vers la sensibilité romantique. Dans l'histoire humaine, il y a des changements de sensibilité qui sont considérables et qui sont toujours passionnants à étudier. Et moi, je crois qu'on est en face d'un changement de sensibilité du même ordre. Je crois qu'on est l'esthétisation, elle se fait aujourd'hui sous la forme du plaisir. À plusieurs reprises dans mes livres récents, j'ai rapproché ça d'un moment de la philosophie antique qui est l'aristipéisme, qui est les doctrines, les philosophies du plaisir que combat Platon dans le Philebe, demandant que le monde soit entièrement sous le signe de la régression dans le plaisir et de la perte de conscience, de la fusion avec les éléments, etc. Donc aujourd'hui, une esthétisation se fait sous le signe du plaisir, pas uniquement les plaisirs sensoriels, mais les états de plaisir et surtout tout ce qui permet d'échapper à la douleur, aux soucis, à l'anxiété, à la banalité des occupations. Voyez l'importance de la consommation de drogue. Je veux dire, nous sommes dans des sociétés où la drogue est omniprésente. Je veux dire, que ce soit sous la forme bénigne de la consommation de cannabis ou que ce soit sous la forme de la consommation de drogue dure pour mener une vie très active comme la consommation de cocaïne. Je veux dire, vous avez une consommation de drogue qui est exceptionnelle, hein, en plus de celle de l'alcool. L'esthétisation produit un monde qui n'accroche pas, qui n'est pas rugueux, qui ne doit pas être blessant. Elle nous met dans des sortes de bulles protectrices, hein, la bulle de nos expériences, une expérience touristique, une expérience gastronomique, une expérience
commerciale, hein, une sortie. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la sortie dans le centre commerciaux est le seul mode de loisir. Hein, j'ai des anciens étudiants qui enseignent dans des banlieues loin de Paris et qui me disent à quel point c'est leurs jeunes élèves, d'une part, consomment de la drogue, et d'autre part, ont pour seule sortie culturelle aller au grand centre commercial de Marne-la-Vallée, et même pas à Disney, hein, puisque c'est trop cher. Hein, mais leur expérience de liberté, c'est d'une part la drogue, et d'autre part le méga centre commercial de Marne-la-Vallée. Hein. Le tourisme est un très bel exemple de vie esthétisée, hein, avec immersion dans des conditions de vie nouvelles, vacances, exotisme ou faux exotisme qui lui-même est entièrement fabriqué par des esthétiqueurs. Hein, je veux dire, regardez la fabrication de l'authentique pour le touriste. Le touriste aujourd'hui est à la recherche de l'authentique et on lui en donne autant qu'il en veut. Hein, c'est-à-dire qu'on lui esthétique. Esthétique de l'authentique à tour de bras. Hein. Regardez aussi l'importance dans nos vocabulaires, dans la manière de décrire l'expérience, de la notion d'immersion. On nous parle de plus en plus d'expérience immersive. Un des lieux qui a le plus de succès actuellement pour la culture et pour l'art à Paris, c'est l'Atelier des images, qui est une sorte de... Vous auriez pu faire un atelier des images, hein, ici. L'atelier des images, c'est un espace d'atelier dans Paris, très grand, dans lequel, par des jeux de projection vidéo hyper professionnels, les esthétiqueurs, vous pouvez passer une heure, deux heures, trois heures dans Klimt, dans Van Gogh, dans une peinture impressionniste. Et il y a un monde fou, beaucoup plus qu'aux aux expositions sérieuses. Et les gens viennent en famille, viennent de banlieue, et puis ils s'assoient, ils se couchent, les enfants se couchent par terre ou courent au milieu, et puis ils baignent dans Klimt. Et finalement, vous vous dites, mais au fond, quelle est la différence entre leur expérience de Klimt à l'atelier des images et leur expérience de Klimt quand ils vont passer un week-end à Vienne? C'est intéressant de voir, d'essayer de noter la différence. Est-ce qu'elle est si importante que ça? Mais en tout cas, là, au moins, c'est sûr que c'est immersif. Ce qui est immersif, c'est le week-end à Vienne, en lui-même, vous voyez. Mais qui demande, justement, peut-être d'autres moyens financiers et d'autres moyens d'imagination que d'aller prendre un billet pour aller à l'atelier des images. Donc, je crois qu'on est aussi dans une période, si vous voulez, d'hyper-esthétique, avec un changement de sensibilité très importante. Et c'est là que j'introduis, que je fais appel, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai été content de voir que d'autres personnes que moi, et même un peu avant moi, avaient sorti, et élaboré la notion, c'est là que je vois l'importance des notions d'atmosphère et des notions d'ambiance. Nous vivons dans un monde qui est plus fait d'atmosphère et d'ambiance que d'expériences, je dirais, analysables, découpables et pointillistes, en quelque sorte. Non, nous vivons dans un monde d'atmosphère. Alors, ça a des conséquences. Vous me direz, pourquoi vous parlez de ça? Ben d'abord, je parle de ça parce que c'est intéressant de décrire la situation contemporaine, mais ça a des conséquences bien plus importantes que ça. Je pense qu'on nous dit toujours le capitalisme a produit de l'individualisme. Je ne suis plus du tout d'accord avec ça. La politique, elle est maintenant de plus en plus une affaire d'atmosphère, une affaire d'ambiance. La politique rationnelle, engagée, démocratique, avec le fantasme des Lumières, ben, elle est remplacée par la politique des rumeurs, des foules, des groupes de conversation, et puis des atmosphères, l'atmosphère de panique, l'atmosphère de dépression, l'atmosphère joyeuse de redémarrage. Je pense qu'il faut probablement que nous pensions autrement la politique, elle aussi, que nous pensions autrement les rapports humains,
Enfin, si les rapports humains sont une affaire d'atmosphère, je dirais un certain nombre de concepts comme ceux de travail, ceux d'amitié, ceux de réciprocité deviennent beaucoup plus problématiques qu'on pensait. C'est-à-dire, il nous faut peut-être penser les passions autrement, peut-être penser les émotions autrement, la politique autrement. Il y a tout un champ qui s'ouvre. Alors, de ce côté-là, et ça sera ma conclusion, de ce côté-là, ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, je dirais, les atmosphères désindividualisent, désintellectualisent aussi. Hein, c'est plutôt le règne de la sensibilité, c'est plutôt le règne de la fusion, de la communion. Avec ce que ça a de bon et ce que ça a de mauvais, le règne de la sensiblerie aussi. Je crois qu'il y a tout un nouveau mode de description des situations et des approches à introduire. Alors, ce que je voulais dire pour finir, c'est que ce n'est pas neuf ce que je dis là. C'est que je me suis aperçu en écrivant ce livre et en faisant beaucoup de recherches qu'à la fin du 19e siècle, déjà, on a eu un épisode du même genre. C'est-à-dire qu'on fait toujours attention, je dirais, au XIXe siècle comme siècle du progrès et siècle démocratique ou siècle des révolutions, mais on ne fait pas assez attention à toute la pensée de la fin du XIXe siècle en termes d'imitation, de rumeurs, de foules, de communautés. Je veux dire, tous les sociologues, hein, y compris les sociologues républicains comme Durkheim, ont souligné le fait qu'il n'y avait pas tellement d'individualité. Il y avait surtout des phénomènes collectifs, et ces phénomènes collectifs, je ne veux pas terminer sur une note trop pessimiste, mais ces phénomènes collectifs, vous voyez ce qu'ils donnent lorsque un siècle qui était quand même un siècle de progrès, avec toute l'industrie, les ingénieurs, l'architecture, les gratte-ciels, etc., plonge dans la barbarie de la guerre de 14-18. Voilà, merci. Merci, M. Michaud. Pour introduire un peu une petite conversation, qui d'ailleurs, elle est ouverte au public, mais je poserai, trois questions que vous pouvez répondre d'une seule fois. La première, c'est que, il y a eu en France, depuis le début des années 90, un grand débat sur l'art contemporain qui a peut-être commencé, je ne sais pas exactement, avec un célèbre texte de Baudrillard qui s'appelait « Le complot de l'art ». Et tout ce débat est connu comme la querelle de l'art contemporain. Je vous demande si... Et d'ailleurs, vous avez intervenu dans ce débat. Et je vous demande si votre discours aujourd'hui, s'il prolonge d'une certaine façon encore ce débat qui a commencé à ce moment. Deuxième point, c'est votre discours, vos arguments, ils se basent sur une différence entre l'art avec A majuscule et art avec A minuscule. Et je vous demande si cette différence entre l'art avec un A majuscule et un art avec A minuscule, si elle n'est pas valable pour tous les temps, pas seulement aujourd'hui, mais ça a toujours existé comme ça. Et troisième question, cette hyper-esthétique, ce régime esthétique de l'art, si ça n'a pas commencé déjà avec le romantisme. Je pense par exemple à un philosophe allemand comme Odo Marquardt qui parle exactement d'un art esthétique. Donc cette esthétisation ou ce régime esthétique de l'art, d'un certain point de vue, ça ne serait pas caractéristique de notre temps, mais ça viendrait déjà
de l'époque romantique. Je vous réponds. Merci pour des questions qui sont très claires. Sur le prolongement de la polémique de 97 sur l'art contemporain, moi je considère qu'on est sorti de cette discussion. L'art contemporain, je dirais que tout le monde l'accepte et tout le monde s'en fout. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les mécanismes de rejet du tout qu'il y a pu y avoir. Alors dans le livre de 97, puisque j'ai écrit le Crise de l'art contemporain, j'avais noté que d'abord cette polémique, elle s'était produite comme presque tous les phénomènes culturels, déjà aux États-Unis dans les années 70. C'est-à-dire tout ce qui arrive aux États-Unis 10 ou 20 ans après nous arrive. Hein, je veux dire, y compris le politiquement correct actuellement et la fin du politiquement correct pour bientôt aussi. Hein, je veux dire, on verra. Bon, mais en tout cas, je crois que si vous voulez, la différence, c'est que quand il y a eu la polémique, il y avait vraiment des phénomènes de rejet et des phénomènes de prise de parti. Aujourd'hui, il n'y a plus de prise de parti favorable. Il y a des gestionnaires qui disent, bon, ben, c'est bien, ben, ça se vend, c'est important, hein, et il en faut. Et puis, mais il n'y a pas de rejet. Il n'y a ni rejet, ni célébration. Voilà, ça, donc, de ce côté-là, on est sorti de ça. Je veux dire, de même que le postmodernisme, on se posait la question de qu'est-ce qui arrive quand le modernisme se dissout. Ben, maintenant, on ne parle plus de postmodernisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, on est dans le post-postmodernisme et plus personne ne parle de postmodernisme. Alors, plus du tout. Hein. Bon, art, art avec un grand A et art avec un petit A. Vous avez raison, il y a toujours eu ça, mais nous avons, je dirais dans le régime occidental, nous avons, je dirais, une sorte de sacralisation de l'art avec un grand A, qui est due à la commandite princière, qui est due, je dirais, à l'existence, à l'arrivée d'un certain nombre de génies aussi, hein, mais il y a toujours eu un art avec un petit art en même temps. Si vous voulez, quelquefois pour les mêmes objets. J'ai assez étudié l'industrie du retable au 14e, 15e, 16e siècle. Il y a des retables qui sont exceptionnels quand ils sont faits par Piero della Francesca, mais la plupart du temps, c'est du produit commercial. C'est de l'art avec un petit art. Et je dirais que ce qui est important, c'est si l'art avec un grand A est fini, l'art qu'on célèbre, etc., sauf sous la forme financière, etc., si l'art avec un grand A est fini, l'art avec un petit A, il est toujours aussi indispensable. Et tout le monde en fait, d'une certaine manière, à sa manière. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des grands écrivains qu'il n'y a pas plein de gens qui écrivent, si vous voulez. Donc, cette distinction me paraît une distinction exacerbée par la sacralisation de l'art. Voilà. Alors, ensuite, pour ce qui est du troisième membre, la troisième question, je suis entièrement d'accord avec vous, et je cite aussi Mark Ward dans mon livre, c'est vrai que le romantisme est un art de la sensibilité. Simplement, la différence, c'est que, je dirais, c'est dans le hyper. Hyper, ça veut dire qu'il va au-dessus, encore plus fort, et au-delà, encore plus loin. Ce que je dis à un moment, tout bêtement, comme analyse du terme. Ben aujourd'hui, l'esthétique, elle est partout. Hein, et elle est hyper produite et hyper réussie aussi. Ce qui me frappe aussi le plus dans le travail des esthétiqueurs, c'est que c'est toujours très réussi. C'est de plus en plus professionnel. C'est de plus en plus efficace. Ça marche très bien. Quand je dis qu'il y a une ingénierie de l'esthétique, c'est ça que je veux dire. Donc, d'une certaine manière, je trouve la position de Mark Ward disant « Oh, c'est vraiment malheureux que l'art soit devenu esthétique. » Je trouve que c'est une position passéiste. Parce que maintenant, il n'est même pas esthétique. L'hyper-esthétique, elle est partout ailleurs que dans l'art. Et quand l'art fait son travail, il devient lui aussi hyper-esthétique. Si vous voulez, les gens comme, encore une fois, comme les gens des Top Guns dont je parle, sont des professionnels de l'ingénierie esthétique. Donc, ils tombent dans le régime général, si vous voulez. Donc, il n'y a pas à se plaindre qu'un art soit devenu esthétique. Voilà. Alors, je pense que
Enfim, podemos abrir o debate ao público. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Oui. Bom. Voilà. Vous parlez d'esthétique, mais le sens que vous donnez au mot esthétique, c'est la forme, la belle forme. Mais il y a un autre sens pour le mot esthétique, la perception par les sens. Et à l'art, il n'a pas toujours été attribué la fonction de produire du beau, comme vous savez. Je rappelle quand il disait que l'art de la jardinage, il l'incluait dans la liste des beaux-arts. Vous disiez, vous donnez ce sens du beau, ça, implicitement, vous attribuez à l'art la fonction de créer des beaux objets. Et est-ce que elle ne pourrait pas avoir d'un autre sens? Et l'autre question, c'était quelle est la relation l'hyper-esthétique et l'hyper-réel du Baudrillard? Parce que ça me semble hyper-esthétique et hyper-réel. Ouais, de Baudrillard, ça me semble qu'il y a des rapports. D'accord. Oui. Alors, je ne vais pas vous répondre en vous disant que j'ai déjà répondu, mais il y a un chapitre entier de ce livre sur, je dirais, l'essence du mot esthétique. Et sur le fait que c'est un concept, je dirais, qui est de toute manière, par nature, surdéterminé. Ça, c'est une analyse que je fais pour autant que je considère avoir fait une philosophie cohérente. J'ai une analyse sur les dimensions des concepts. Les concepts ont toujours beaucoup de dimensions qui, selon les périodes, selon les périodes, certaines prévalent, certaines sont prédominantes, et à d'autres moments, ce sont d'autres. Et donc, je veux dire, mais le noyau, ce sont des concepts qui sont flous, mais d'un flou qui est analysable. Donc, j'ai toute une analyse sur le fait qu'aujourd'hui, esthétique rassemble, je dirais, presque tout l'ensemble de ce qui a été pensé sous le terme d'esthétique. Et notamment, je dirais, pas seulement le beau. Hein, parce que justement, j'utilise cette analyse pour montrer que progressivement, on a intégré dans l'esthétique toutes les valeurs qui étaient du non-beau jusqu'au laid, bon, le sublime d'abord, le terrifiant, le grotesque, etc., jusqu'au moment où on a même intégré le laid, le banal, l'inintéressant. Si vous regardez le livre, vous verrez, il y a des choses sur aujourd'hui l'esthétique du banal, les esthétiques japonaises, vous voyez, tous ces concepts où il n'y a pas question de beau. Ces concepts japonais, par exemple, de la beauté entre guillemets de ce qui est âgé, usé et presque mort, c'est pas précisément notre concept de la beauté. Bon, vous avez parlé aussi de Kant au passage. Je considère que c'est une grossière erreur due à notre tradition académique. Que j'ai subi comme tout le monde, d'avoir axé l'esthétique sur Kant. Pour moi, Kant, c'est quelque chose. J'avais prévu de faire un appendice sur Kant, et puis finalement, pour des raisons de longueur, on l'a supprimé. Mais je pense que Kant est une exception dans la pensée de l'esthétique. Le XVIIIe siècle a pensé l'esthétique de manière beaucoup plus large, et ensuite Hegel. Mais Kant, d'une certaine manière, je dirais qu'il n'y connaissait rien. Et c'est vrai, à Königsberg, totalement différent de ce qui est considéré. Il y a beaucoup d'activités que nous, aujourd'hui, ne considérons pas art. C'est pour ça que je n'ai d'exemple de Kant, non, mais comme beaucoup je pourrais de choses. Citer un autre auteur. C'est pas pour je comprends ce évoquer que vous, sa philosophie. Je comprends ce que vous dites, mais beaucoup de choses, si vous voulez, qui ont dans le passé été catégorisées comme art ou que nous ne catégorisons plus, il en reste quelque chose dans nos concepts. Nos concepts ont toujours un poids et traînent avec eux une sorte de viscosité. Je veux dire, c'est une notion.
je m'excuse de je vous demande de m'excuser de parler un peu de choses un peu techniques, mais c'est une notion que j'ai fait beaucoup de philosophie des sciences au départ, et notamment dans l'œuvre de Bachelard, il y a la notion de profil épistémologique. Et le profil épistémologique, c'est la manière dont nous pensons un objet dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que le physicien, quand il voit une chaise, il la pense avec des concepts physiques ou même avec des concepts quantiques, hein, je veux dire. Et puis, en même temps, pour lui, c'est une chaise au quotidien. Et il y a aussi cette dimension. Et puis, poétiquement, il peut y avoir une poésie de la chaise. Et c'est aussi une dimension. Et je pense que tous nos concepts, et notamment les concepts importants pour notre réflexion, ont cette multidimensionnalité. Et même quand on dit « je vais ne la penser que comme physique », ben, il restera un côté poétique possible, si vous voulez. Tous nos concepts, on ne peut, la thèse de mon livre, c'est qu'on ne peut pas purifier l'esthétique. Elle est toujours impure, c'est-à-dire qu'elle est toujours avec des dimensions de sensualité. Je prends souvent cet exemple. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, mais allez le voir sur Internet, sur Google, vous le trouverez. C'est un tableau du Corrège, qui est au musée de Vienne, musée des Beaux-Arts de Vienne. C'est Jupiter enlevant Io. C'est un tableau d'une sensualité exceptionnelle. Et pas du tout érotique. Je pense qu'il faisait partie d'une suite de semi-érotique, parce que compte tenu de sa taille, ce n'est pas une taille d'un grand tableau, pour illustrer les aventures érotiques de Zeus. Et quand vous voyez ce tableau, si vous êtes un amateur de maniérisme, vous voyez toute la beauté de la peinture du Corrège, mais la sensualité érotique du tableau, elle est là et elle fait partie de votre expérience esthétique. Et vous ne pouvez pas dire, à la manière de Kant, non, la sensualité de érotique, elle ne fait pas partie de l'art. Si, elle fait partie de l'art, la sensualité érotique. C'est une petite dimension, hein, qu'on ne trouvera peut-être pas chez Pollock ou chez Mondrian, mais c'est une petite dimension. Voilà, donc je crois que les concepts ont toujours cette multidimensionnalité qui fait que leur histoire est intéressante à suivre, à reconstituer, à voir comment elle a varié, comment ça se déséquilibre par moment. Comment, je vous dis, aujourd'hui, la plupart des... On dit que tout est beau, mais on n'a plus aucune idée de la beauté au sens classique. Aujourd'hui, c'est sûr. Mais la manière dont on parle des expériences esthétiques, non, c'est beau. Hein, c'est l'impérialisme de la beauté. Mais en même temps, on dira qu'est beau un cadavre à la morgue, hein, dans un cibachrome d'André Serrano, vous voyez. Donc là, je vous réponds parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé de ça, parce que c'est en ce sens que mon livre n'est pas un livre d'humeur. Hein, j'ai essayé vraiment de l'asseoir sur des réflexions. Et je pense qu'une des grossières erreurs, et j'incite, s'il y a des jeunes professeurs de philosophie ici, à changer leur manière de procéder, c'est qu'il ne faut jamais commencer l'esthétique par Kant. Hein. Kant, c'est un accident. Et vous savez, curieux, je vais vous dire une anecdote, mais comme je vois que vous ne partez pas, je n'ai pas envie que vous partiez, hein, comme je vois que vous ne partez pas, je pense que ça peut vous intéresser. C'est, j'ai découvert là, un philosophe qui m'a beaucoup influencé, c'est le philosophe allemand Gernot Böhme, qui a fait une théorie des atmosphères à partir des années 1988, 90, etc. Or, quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, je recevais plein de publicités tous les jours et j'avais vu un jour qu'au Goethe-Institut, à Paris, avenue d'Iéna, il y avait une conférence d'un certain Gernot Böhme, dont je n'avais jamais entendu parler, sur l'esthétique de Kant. J'avais beau avoir beaucoup de travail, je suis allé à cette conférence, qui était bien traduite en plus, et Gernot Böhme a écrit un livre sur l'esthétique de Kant. Et son analyse m'a illuminé. Il avait étudié tous les exemples de Kant, uniquement les exemples dans la critique du jugement. Or,
Kant n'avait pratiquement aucune expérience esthétique. Vous imaginez pas à Königsberg, il n'y avait pas d'art, il y avait des gravures, il y avait de la musique, mais c'était de la musique régionale, locale, il n'y avait pas d'opéra, il n'y avait même pas de jardin ou des jardins dans quelques villes après princières. Et l'esthétique de Kant est construite sur un éventail d'expériences esthétiques extrêmement limitées. Beaucoup plus limité que par rapport à toutes les autres personnes qui, bien avant lui, parlent d'esthétique. J'avais réédité, parce que nous avions des éditions à l'École des Beaux-Arts, j'avais réédité l'essai de Dubot, de l'abbé Dubot de 1719, mais l'abbé Dubot, il avait une expérience de la peinture, une expérience du théâtre, une expérience d'architecture exceptionnelle. Et donc, je dirais que pour des raisons académiques, compte tenu du fait que l'université européenne s'est vraiment fabriquée, construite sur le kantisme, on commence l'esthétique par Kant et on a tout faux. Il faut revenir à Kant, parce que Kant essaye de purifier l'esthétique. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y arrive pas, c'est pas possible. On ne peut pas enlever la sensualité du tableau du Corrège. Je veux dire. Et dans l'essai que je n'ai pas publié, je m'étais amusé à faire une description de la collection d'art contemporain de Kant, en fonction de ses critères. Ben, il aurait eu guère que du minimalisme. Que du minimalisme, mais si possible sans couleur, parce que la couleur c'est sensuel et que c'est très gênant. Il aurait de la musique répétitive. Je m'étais beaucoup amusé à ça. Il faudra que je publie ça un de ces jours, si ma vie dure. Mais voilà. Votre question m'a beaucoup intéressé. Il y avait un deuxième morceau de votre question. J'ai parlé de Kant seulement pour donner un exemple que pas tous, il y a des différentes activités étaient accroupées sous le nom d'art qui était très différent, mais c'était seulement, je voulais pas parler sur la philosophie de Kant, surtout pas son esthétique. Et l'autre, c'était quel est le rapport entre l'hyper-esthétique et l'hyper-réel de Baudrillard. Ah, oui. Alors, là aussi, il en est question. Dans le livre, c'est que je pense que l'hyperesthétisation du monde conduit à son irréalité, et donc coïncide beaucoup avec le virtuel. Alors simplement, le problème, c'est que quand on hyperesthétise et que il arrive une épidémie ou une catastrophe, etc., le choc avec la rugueur, la rugosité de la réalité est une panique totale. Le sujet hypersensible que j'ai décrit, c'est un sujet dont je dis qu'il est à la fois extrêmement fragile et extrêmement coriace. Extrêmement fragile parce que dès que la réalité arrive, oh, mon Dieu, c'est la cata, catastrophe absolue. Mais il est coriace parce qu'il a des remèdes pour tout. C'est le dernier homme de Nietzsche. Il a des remèdes pour tout. Il y a des remèdes aux épidémies, il y a des remèdes au réchauffement climatique, il a des remèdes pour tout. Donc je dis, il est extrêmement fragile parce qu'il est complètement démuni face au réel, dans la mesure où il est dans un hyper réel et hyper esthétique, et en même temps il est très coriace parce qu'il est technique et qu'il a tout le temps des remèdes à tout, y compris des mauvais remèdes, peu importe, mais ça le rassure. Voilà. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre conférence, c'était magnifique. Et je voudrais poser une question qui est due peut-être au fait que je n'ai pas lu votre livre. Donc vous m'excuserez si je me trompe sur ce que je vous attribue. Voilà, il m'a semblé que c'est une question très simple. Il m'a semblé que le monde de cette esthétisation de la vie, de l'hyper-esthétique, ce monde-là, décrit comme vous l'avez fait, tendait, si ce n'est qu'il était déjà un monde, disons, harmonieux, où on cherche à avoir une espèce de organisation de
pas seulement des arts, mais de la sensibilité, de la vie, qui est d'une certaine façon homogène et qui s'agencie bien en elle-même. Alors, je vous demande, est-ce qu'il n'y a pas de mouvement bizarre là-dedans? Est-ce que vous avez parlé deux ou trois fois, vous avez employé le mot provocation, pas de provocation. Alors, moi, je vous demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui provoque ce monde, quelque chose qui le déchire, quelque chose qui le menace, qui vient peut-être de l'extérieur, quelque chose de non esthétique dans notre monde actuel et qui annoncerait peut-être ou exigerait ou demanderait une esthétique ou autre chose qu'une esthétique? Oui, alors je vous remercie de la question parce que figurez-vous que je me la pose aussi. Je dirais qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui, notamment grâce à la technique, hein, et je dis la technique pour ne pas dire les technologies, parce que c'est la technique avec en son cœur la technologie numérique, bien évidemment, hein, mais c'est la technique, la fantastique technique de nos moyens d'action sur nous-mêmes et sur le monde. Je dirais qu'il y a une volonté justement d'omnipotence technique et donc de rendre le monde, comme vous avez dit, parfait, lisse, avec un enchaînement complet et parfait des solutions, des problèmes et des manières de prévenir tout accident. Voilà. Alors maintenant, je pense pas, malheureusement, je pense que la pensée critique, au sein de ce monde, elle se fait aussi récupérer et elle devient, je dirais, un attribut de ce fonctionnement parfait du monde. Il faut qu'il y ait de la critique, etc., interne. Bon, je dirais que là, derrière ma position, il y a tout l'intérêt que j'ai eu pendant beaucoup de temps et que j'ai toujours pour la théorie des systèmes de Niklas Luhmann, sur le fait que la réflexivité critique fait aussi partie, je dirais, du fonctionnement correct du monde, du fonctionnement parfait du monde. En revanche, ce que je dis, c'est si on ne peut pas de l'intérieur, je dirais qu'il peut y avoir une protestation nostalgique et ancienne de ceux qui ne sont pas complètement dans ce monde. Comme moi, par exemple, je veux dire, puisque j'appartiens à un monde ancien. Moi, j'ai vécu dans un monde où, par exemple, le travail était une valeur. Hein, l'analyse de Marx et l'analyse du chrétienne aussi faisait du travail à la fois une peine, mais en même temps un moyen d'accomplissement, de libération, etc. Qui parle de ça aujourd'hui? Vous voyez que c'est fini. Mais j'appartiens à un ancien monde. Donc ma voix critique, d'une certaine manière, elle n'est pas encore totalement récupérée, mais elle le sera. Et puis de toute manière, je disparaîtrai. Et il y aura des gens qui seront, pour le coup, pas du tout critiques. Je suis très frappé de voir que parmi les artistes, même ceux qui sont politiquement engagés, il n'y a presque pas de critiques. La critique fait partie du fonctionnement normal du système de l'art. En revanche, c'était la réponse que je faisais à madame, c'est l'échange que j'avais avec madame, c'est que, en revanche, les accidents extérieurs, il faut quand même avoir un peu de bon sens et un peu de sens de l'histoire aussi. Les accidents extérieurs, ils seront toujours là, mais pas sous la forme que nous attendons ou que nous pouvons prévoir. C'est de l'imprévu. Je veux dire, tout le monde parlait de possibilités d'épidémies, de guerres, des virus, etc. Mais c'est la différence entre penser et sentir, entre ce que vous pensez et ce qui arrive, c'est ce que dit David Hume, hein, entre ce que vous pensez et ce qui arrive, effectivement, il y a toujours un gouffre. Vous aviez prévu la catastrophe et quand elle arrive, elle est complètement différente de ce que vous
vous pouviez prévoir et imaginer. C'est pour ça que les gens qui font des plans de prévention des catastrophes, en général, se trompent. Ils peuvent prévenir que les petites catastrophes. Mais les vraies catastrophes, elles arrivent toujours sous une forme qu'on n'imagine pas. Je veux dire. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas la pensée critique qui va les trouver. C'est le fait que nous allons les souffrir, en quelque sorte. De ce côté-là, je veux dire, je crois qu'il faut regarder... quand vous voyez un événement comme la Révolution française et que vous la regardez au niveau européen, cet événement historique, il est impensable. Il est absolument, rétrospectivement, il semble inévitable, mais sur le moment, il est littéralement impensable. Au point d'ailleurs que, je veux dire, Kant change son horaire de promenade pour une fois, je veux dire, c'est quelque chose de totalement imprévu. Et donc je crois qu'il faut de nouveau être attentif à l'impensable qui nous arrive de l'extérieur. Et ça, je veux dire, je pense qu'il risque d'en arriver pas mal. J'ai été beaucoup, mes inspirations philosophiques viennent de beaucoup d'endroits et je le revendique vraiment comme philosophe, mais j'ai suis beaucoup influencé par la littérature de Ballard, de James Ballard. Cette description d'un monde où tout est parfait et où arrive crash. Et où tout s'effondre, et où c'est la guerre au milieu des beaux immeubles. Ma vision du monde serait plutôt ballardienne, si vous voulez. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est le rôle de l'éducation maintenant ? Le rôle de l'éducation. Pas illustrer l'éducation que parents passent pour les filles. Parce que vous avez donné l'idée d'immersive, tout le monde qui voit Clint. Quel est le rôle de l'éducation maintenant, aujourd'hui ? Alors, oulala, mon Dieu, c'est une question passionnante, fondamentale, et j'ai un peu tendance à dire désespérée. Parce que le problème de l'éducation, c'est que d'abord, il faut avoir une autorité pour transmettre des contenus ayant une autorité. Or, beaucoup de, presque plus, les autorités sont presque toutes remises en question par le circuit naturel de l'information. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui dit le contraire de quelqu'un d'autre, etc. Pour ceux qui ont fait de la sociologie comme moi ou des sciences humaines, il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait un certain nombre de références sociologiques qui étaient indiscutables. Aujourd'hui, quand vous les avancez face à un jeune sociologue, il vous dira que de toute manière, ça n'a plus aucune valeur et il vous avancera une autre théorie ou une non-théorie. Donc il n'y a plus d'autorité. Pas d'autorité au sens d'autorité autoritaire, mais il n'y a plus d'autorité, auctores. Il n'y a plus d'auteur. Il en reste sûrement. Hein, mais disons que leur valeur n'est plus reconnue. D'autre part, les jeunes sont beaucoup s'auto-éduquent énormément, justement à cause des technologies, à cause des emplois du temps, de la diminution des occupations, de la diminution de la discipline aussi. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, moi j'ai des petits-enfants, je vois bien qu'on peut leur enseigner des choses et ils les respectent, mais en même temps, il y a tout un aspect de leur auto-éducation de groupe sur lequel nous n'avons, nous adultes, nous personnes d'autorité, n'avons plus aucune prise et où on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est-à-dire, donc, je dirais, la situation éducative demanderait, je dirais, qu'il y ait une sorte de soumission volontaire de l'enfant ou de celui qui apprend aux auteurs, aux autorités qui l'enseignent. Or, non, il n'a plus cette soumission volontaire, ou plutôt, il a cette soumission, mais à temps partiel. À temps partiel, et donc énormément de choses échappent complètement à l'éducation ou passent directement par d'autres canaux. Donc je ne crois pas trop à, je pense justement la faillite de l'éducation ou sa transformation considérable aujourd'hui
fait partie des immenses problèmes qu'on a. Je ne suis pas de ceux qui critiquent l'effondrement de la culture, mais ça se passe très différemment. Alors, ce qu'il faudrait peut-être arriver à faire, j'ai essayé, très concrètement, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à éduquer à la réflexion. Ça, c'est ça qu'il faudrait. Mais encore faut-il, à ce moment-là, que les gens aient, un, la capacité pédagogique, et deux, la volonté de l'élève d'apprendre à réfléchir. J'ai fait de la philosophie pour les adolescents. J'ai publié un livre, maintenant qui est en un seul volume, où on traite 32 questions, il s'appelle la philo 100% ado. C'était pour des enfants entre 11 et 14 ans. Hein. Avant, non. Après, non. Hein. Parce que c'est la période où les enfants sont le plus accessibles à la réflexion et ne sont pas encore formatés trop par le groupe. Et donc, ils ont une curiosité et une aptitude réflexive très forte. Mais, je veux dire, qu'est-ce que je peux contre un jeu vidéo ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je peux contre un jeu vidéo ? Je me suis adressé à des volontaires, ça a eu beaucoup de succès, mais à un petit nombre de gens, je veux dire, parce que beaucoup de gens, en plus, ne veulent pas réfléchir. Hein ? Ça me prend la tête, comme ils disent. Hein ? Ça me prend la tête, je ne veux pas réfléchir. Ne pas réfléchir fait aussi partie, si vous voulez, des bonheurs, hein, de la régression intellectuelle. Il y a une expression dans la critique de la raison cynique de Sloterdijk qui m'avait beaucoup amusé il y a 40 ans, c'était être idiot et avoir du boulot, voilà le comble du bonheur. Hein j'ai peur que ça soit souvent le cas, hein, être idiot et avoir du boulot. Je vous remercie beaucoup, très fortement, très sincèrement. Obrigado.